ça veut dire ça. Abdullah Eko, qu'on a boudé les cas, c'est mort. Non. What's up? Arrête mon ami, si la galère et la misère, ce n'est même pas la peine. Ça te fait de la peine, tu commences par le bien. Le joueur est avec vous. Et moi, je n'ai pas eu parole. Yeah. Bon. Tu n'es pas eu de la vie, mais tu es allé voir. Tu joues quand même. C'est ce qui est arrivé. Bon, tu joues. Ah. Oh là. Bon, qu'est-ce que tu penses de la délinquance? Tu peux parler. Après la délinquance. Bon, la délinquance, je sais pas trop. Bon, attends, reformule ta question. Qu'est-ce que je pense à Mayotte? Ouais, la délinquance, elle est très violente. Elle est vraiment super violente, même très très violente. Non. Quand on voit par exemple ce qui se passe à Dzoumounié ou pendant les comment on appelle, dans les sorties des cours, à la fin des cours, tout ça, bah il y a eu pas mal de violence, des jeunes qui se faisaient agresser, des bus caillassés, des policiers violemment agressés. Bon, c'est dans toute la population en fait, c'est dans toutes les villes maoraises qu'il y a de la violence en fait. Et puis. C'est dû à quoi tout ça? C'est dû à quoi? Mon avis. Après, bon, ça reste mon avis, bien sûr. Mon avis, c'est dû. Bon, il y a l'immigration, mais il n'y a pas que l'immigration. Il y a aussi nos chefs, ceux qui sont là, nous on est en dessous, ceux qui sont au-dessus de la pyramide, c'est tout cela en fait, c'est, on va dire, c'est un peu de leur faute. Pourquoi c'est un peu de leur faute? C'est tout simplement que un jeune aujourd'hui qui n'a pas de travail, par exemple qui a 18 ans, qui n'a pas de travail, il sait même pas, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'organisation sportive, il n'y a pas de, je sais pas, qui n'a pas de quoi s'occuper, qui n'a pas d'argent, tu vois, ou par exemple qui est immigré, qui n'a ni famille ni amis, et pour subvenir à ses besoins, il a besoin d'aller braquer, tu vois. Et puis attends, Seigneur, comment on fait? C'est moi ton signe. C'est moi, je peux pas signer. Ah, ok. Et puis, bon. Donc, voilà. Donc, oui, l'État est en partie en faute. Mais voilà. L'État est toujours là pour se dédouaner. Après, bon, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la délinquance diminue? Parce que arrêter, ça, c'est. C'est impossible. Arrêtez ça, c'est impossible. J'aime pas ça. Donc arrêtez là, c'est pour le moment, ça c'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qu'il faut, c'est l'union. C'est l'union. L'union des Maoris. Aller vers les jeunes, c'est très important d'aller vers les jeunes. De discuter avec eux, c'est très important ça. Voilà. On a tous chacun un petit frère, un neveu, un cousin, on va tous faire vers ces jeunes, discuter avec eux, leur parler, voilà, les aider à trouver du travail, même s'il n'y a pas beaucoup de travail, au moins qu'ils puissent au moins s'occuper, voilà, et s'entraider même au niveau de financièrement, si on peut, je sais pas, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça peut permettre à un jeune de ne pas aller voler dans une journée, tu vois, c'est des causes, hein. Après c'est des causes, hein. Moi je sais pas. Je ne suis pas prophète, j'ai pas vraiment de pouvoir. Mais voilà, c'est des causes. Je pense que les politiciens ont une grosse part de responsabilité là-dessus. Bah oui,
Bah, si, c'est sûr. Ils ont une grosse part de responsabilité sur ça, les politiciens. On les voit à la télé quand il y a les élections. Ils sont toujours là, en train d'envoyer un peu de mabawa pour aller pique-niquer dans les plages, tout ça et tout, juste pour devenir. Juste pour, pour avoir les électeurs, c'est tout. Et sinon, en dehors de ça, pendant toute la durée de leur mandat, ils vont rien faire, quoi. Ils vont rien faire, quoi. Vers la fin, tu les vois, quelques travaux par-ci par-là, histoire de toucher la population. Parce que voilà, la population, quand elle voit que à la fin, eux, ils se disent pas déjà directement, bon, allez, ils savent que bientôt le mandat du maire va se terminer. Voilà. Mais eux, mentalement, ils sont pas vraiment préparés à ça. Et donc, bon, t'as le maire, il va faire quelques travaux, tout ça et tout machin. Et la population va dire, oui, ok, ah, lui au moins il a fait quelque chose. Et ainsi de suite, ils vont le re-voter, ils vont le laisser en place, et ainsi de suite. Ça va jamais s'arrêter. Voilà. Attends. C'est un Et repos. c'est quoi selon toi la solution? Ou les solutions? Les solutions. Les solutions. Les solutions. Comme je l'ai redit tout à l'heure, c'est s'unir avant tout. S'unir, ça c'est très important. Tu as parlé tout à l'heure de l'immigration. Pourquoi l'immigration serait une partie et pas une cause? Non, l'immigration a toujours existé, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'y avait jamais autant de violence. Pourquoi? En partie, déjà, c'est une grosse partie de comment les parents. Déjà, il faut qu'ils prennent déjà leurs responsabilités par rapport à leurs enfants. Parce que quand tu dis l'immigration, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des générations et des générations, ça a toujours existé. Et pourquoi cette violence-là n'a jamais existé avant, plus que là? Avant, tout simplement, il y avait le mot respect. Quand un enfant venait à venir dans notre île, ils savaient déjà quoi faire pour pouvoir s'intégrer. Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi les jeunes ne veulent plus s'intégrer? Parce que déjà, les parents, ils leur laissent la totale liberté de faire ce qu'ils veulent. Et quand les adultes, quand je dis adultes, en commençant par les haut placés, il les protège. Pourquoi? Pourquoi on se dit aujourd'hui, tous les responsables protègent ces enfants-là? C'est tout simplement pour le pouvoir. Pour accéder tout simplement comment adhérant encore au gradé par rapport à des jeunes qui étaient là depuis des années. Tout simplement. Mais quand on me dit immigration, moi j'y crois pas. Donc, il a dit en partie, par exemple, c'est une cause. C'est une cause. C'est une cause, mais quand on regarde nos pères, nos grands-pères, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des Maoris qui existent. Tu as toujours un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui est étranger. Ça n'existe plus. Les vrais Maoris de génération en génération, ça n'existe plus. Oui, mais à l'époque, les Maoris, enfin, ces étrangers qui rentraient ici, c'était des étrangers qui Oui. rentraient plus ou moins par la voie légale. Oui. Mais maintenant, c'est plus une voie illégale par les Kwassa, par les machins, etc. Ça a toujours existé, Oui, les quoi ça? mais quand tu regardes, je prends l'exemple d'une personne que je connais, qui Ouais. sont arrivés ici par un bateau, pas par les Kwassa, c'est un bateau, ils sont D'accord. arrivés, donc ils sont rentrés ici. Et ces gens-là ne sont pas venus ici et ils ont même pu éduquer leurs enfants ici sans qu'il y ait de la reconnaissance. Or, maintenant, et depuis 2009, il y a vraiment les flux de Kwassa a vraiment augmenté Ouais. jusqu'à maintenant. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que la délinquance et même le taux de natalité a augmenté aussi. Ah, il faut savoir que on est des êtres humains. C'est des gens qui cherchent à la base à s'en sortir dans leur pays. Déjà, ils n'arrivent pas à s'en sortir dans leur pays. Forcément, ils vont chercher le bonheur ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, on fait partie des petites îles qui sont le plus proches, qui peuvent s'en sortir le mieux.
Mais quand ils arrivent à Mayotte, qu'est-ce qu'ils font? Tous nos responsables, ils savent que ces enfants-là, ils sont là. Ils font des bêtises et personne ne les corrige déjà. Personne ne prend soin de ces enfants-là. Avant, à mon époque, quand vraiment, nous, en tant que jeunes, il y avait ce mot respect envers le grand. Parce qu'on avait déjà nos activités. Tu savais que quand tu sortais, il y avait l'école coranique. Il fallait ne jamais le louper. À l'école coranique, on t'apprend déjà le respect par rapport à ton prochain. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Quand tu veux pour aller jouer au foot, il n'y en a pas. Quand tu veux pour jouer, peu importe quelle activité que tu veux faire, aujourd'hui, je dis limite, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Pourquoi ces activités-là, on ne les remet pas en place pour essayer déjà d'attirer ces enfants-là? Parce que quelqu'un qui est occupé ne peut pas penser à autre chose. Tant que tu ne seras pas occupé, tu penseras toujours à faire quelque chose, mais forcément, tu vas être dans le délit parce que tu vas dire « Oh, j'ai rien à faire, il y a ni sport, il n'y a aucune activité qui m'attire. Aujourd'hui, il faut que je survive pour survivre sur notre île en sachant que tu n'as rien de rien. Tu vas forcément voler, tu vas cambrioler, tu vas agresser des gens. » C'est vrai, il y avait aussi les occupations du week-end, le fond qui t'amenait à Malawi. Tout ces activités n'existent plus aujourd'hui. Et la question qu'il faut se poser, mais pourquoi ces activités-là n'existent plus? D'accord. Et à l'époque, chaque personne pouvait éduquer l'enfant de tout le monde. Voilà, c'est ça. Tu n'avais pas qu'un père, tout le monde était père à Mayotte. Tu croisais quelqu'un, peu importe, qu'il soit un fondi, peu importe, mais tu savais que c'était une grande personne. Tu faisais une connerie, il te corrigeait. Si tu allais te plaindre devant ton père ou devant tes parents, c'est tes parents, ils disaient, mais c'est bien fait, il a bien fait parce que c'est pour ton avenir. C'est pour que tu puisses aller dans le droit chemin. Quelles sont les solutions pour toi, c'est longtemps que tu peux parler? Les solutions. Je pense que je vais peut-être me répéter, mais les solutions au jour d'aujourd'hui, tant que Mayotte, Comores, peu importe les îles à côté, tant qu'on ne sera pas unis, il n'y aura jamais de solution. Unis comment? Politiquement ou La politique, eux, ils font leur politique. Eux, ils sont à la base là que pour attirer l'argent. Parce qu'on sait très bien que l'argent qu'on leur donne, ils prennent pour redonner à leur famille. Donc, ça ne sert à rien, les politiciens, de les mettre dedans. Il faut qu'on soit unis déjà, tout le monde, en tant que peuple. Pas en tant que politicien ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien du tout, ça. Parce que tout le monde le sait, on l'a déjà fait une fois, deux fois, ça ne marchera jamais, ça. C'est nous, en tant qu'humains, tu prends sur toi et nous aider en tant qu'humains, tout simplement. En tant qu'humain, tu vois un petit jeune délinquant qui galère, que toi tu sais que tu as un petit travail chez toi, propose-lui, amène-lui vers toi. Ce n'est pas forcément à lui de tout le temps faire l'effort de venir vers toi. C'est à nous aussi de les accueillir parce que nous déjà, on a une barrière à te dire, toi tu es Comorien, toi tu es Mahoré, toi tu es Anjouané, toi je ne sais pas quoi. Mais en sachant qu'on est tous de la même couleur, on a presque la même langue, on a presque les mêmes origines de base. Donc, pourquoi pas, ne pas s'entraider d'entrée au lieu de penser toujours à dire que toi, tu es différent de l'autre? On parle de racisme, mais le racisme, à la base, nous-mêmes, on est raciste entre nous. On n'arrive même pas déjà à s'entraider un frère noir qui est là en train de galérer. Pourquoi? Il faut se poser juste les bonnes questions des fois. On ne se pose pas forcément les bonnes questions. C'est peut-être tout ça, c'est peut-être issu de la civilisation. On est civilisé. La civilisation a beaucoup changé aussi, c'est vrai, parce que dans le temps, c'était pas pareil. Mais à force des générations qui tournent, qui changent, à un moment donné, tu peux tomber sur le bien comme sur le mal. Donc, le jour d'aujourd'hui, on est sur le mal. Soit on essaie de s'adapter pour essayer de faire une chose bien, pour les accueillir, pour les mettre le plus à l'aise, pour qu'ils ne puissent pas dériver sur la délinquance. Soit on se dit, on reste entre nous les Maorés, on les laisse entre eux et forcément eux, ils vont se réunir et comment dirais-je, pour trouver les bons mots. Parce que
résidence étrangère, c'est là où il y a plus de délinquance. Ah oui, mais en sachant que déjà, tous nos jeunes, au jour d'aujourd'hui, ils partent tous en France pour continuer leurs études. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on ne crée pas des universités à Mayotte pour pouvoir faire garder nos jeunes qui restent ici? Il faut penser déjà à un Maoré qui réussit, il faut qu'on puisse le garder chez nous. Il ne faut pas qu'on se dise tout le temps qu'un Maoré, il faut qu'il aille en France pour pouvoir continuer ses études. Ça, déjà, à la base, ce n'est pas normal. Je pense que j'ai tout dit. Non, pas vraiment. Mais bon, après, moi, il y a une question que je me pose. Je comprends pas comment ça se fait qu'en France, un grand territoire de, je sais pas, millions de mètres carrés est contrôlé. Un petit territoire ici, tout le monde rentre et vient et tout, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Je veux pas rentrer dans des sujets un peu. Voilà. Je ne vais pas non plus prononcer le sujet, surtout le mot plutôt. Je ne vais pas prononcer le mot parce que voilà. Mais tout ça, c'est bizarre. Donc, moi, il y a pas mal de questions que je me pose dans ma tête. Moi, ce que je proposerais déjà aux Maoris, la meilleure des choses. Nous sommes tous musulmans, c'est ça. C'est de lire. Arrêtons de regarder la télé à chaque fois. Arrêtons de consommer à chaque fois. Lisez. Parce que c'est en lisant, c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà. Parce que si on ne lit pas, on n'apprend pas, là, on devient consommateur. Tout ce que tu entendras, tu le consommeras et là, tu vas y croire. C'est peut-être faux, mais voilà. Lire, ça c'est le plus important. Apprendre, essayer d'avoir de la connaissance, ça c'est le plus important. Et après là, on verra le monde autrement. Mais sinon, on consommera certains M, voilà, des bizarres, voilà. Voilà, donc c'est ça. Non, mais c'est ça, faut lire, apprendre, avoir de la connaissance. Ça, c'est le plus important. Vous avez, moi, je proposerai à ceux, bien sûr, qui savent lire. Vous avez 1984 de George Orwell. Vous avez aussi, comment ça s'appelle, le livre de Malcolm X, qui est pas mal. Vous avez aussi, Le Monde selon la CIA. J'ai oublié c'est qui l'écrivain, mais je proposerai aux gens d'aller se renseigner, vraiment, d'aller lire surtout. Ça, c'est le plus important. Arrêtons avec la télé, arrêtons. Parce que franchement, moi, les personnes qui n'ont pas de télé chez eux, je pense qu'ils ont vraiment le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir méditer à certains trucs, tu vois. Et quand je dis télé aussi, je parle aussi qu'ils ne sont pas souvent sur leur téléphone. Ça, c'est très important. Réfléchir, méditer. Ça, c'est très important. Regardez, qu'est-ce qui se passe, tout ça. C'est bien. Ça, c'est très important. En tout cas, c'était mon dernier mot. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas, tu as quelque chose à dire? Tu as pas vraiment à dire. Tu as des enfants, quand même. Qu'est-ce que tu peux dire? La sécurité. Ok. Donc, en plus, Badero, on te dit ici, il faut lâcher le mot, jeune homme. Ah, il faut lâcher quoi? Il faut lâcher le mot. Tu peux parler sans personne à lui dire, tiens. Non, je ne savais rien, non. Je continue, ça. Il y a notre maman Salima. Aïe. Qui demande, qui dit, il faut lâcher le mot. C'est quoi ce mot-là? Non, je... Je peux pas, c'est que je peux pas utiliser le mot là. Là, je vais pas l'utiliser le mot, mais voilà. Moi, j'essaie de vous mener vers justement parler d'une manière à ce que vous faire comprendre le mot. C'est voilà. En tout cas, ça commence par un M. Et voilà. Et cette personne là est avec nous matin, midi, soir. Quand on rentre chez nous, toujours avec nous. Il nous lâche jamais cette personne là. Donc c'est justement c'est cette personne là. Il faut justement comment dire ça, l'éjecter de la maison. Parce que c'est elle, justement, c'est elle qui va commencer déjà par vous des choses qui sont détestables. Cette chose, cette personne va faire à ce que toi, tu les acceptes à la fin. Et tes enfants, ça va être pareil. Et au fur et à mesure. Et ça joue beaucoup. Regardez la délinquance. Comment est-ce que les gens ont appris? Comment est-ce qu'ils ont vu des... Ils ont vu ça où? Où est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ça? Où là?
Ah oui, comment est-ce que ça s'est développé? On avait des anciens, on avait des gens qui faisaient ça, voilà. Ok, on sait, on dit, oh, ça c'est pas bien, voilà. Mais comment? Ça c'est devenu classe. Pourquoi? Parce que ça passe. Ça passe chez nous. On voit ça à la maison. On a juste à éjecter cette personne. Et là, ça sera une grande aide pour tout le monde. Et surtout sur les enfants. Moi, j'ai essayé. J'ai vu la différence. J'ai fait ça avec mes enfants. La personne aime. Voilà. Aime. On va plutôt mettre le grand T plutôt. Le grand T. Pendant 2-3 mois, j'ai dit, monsieur T, j'en ai un peu marre de toi. J'en ai un peu marre de toi, donc je vais te laisser là parce que j'en ai marre à chaque fois que mes enfants soient devant la. Voilà. Avec leur pouce. Oh, tu fais quoi? Viens, mon bébé. Rien que déjà, ça c'est pas bien. Alors qu'il faut créer des liens avec des enfants, ça c'est très important. Parler avec eux, discuter avec eux, c'est très important. Et là, ce qu'on fait déjà, on laisse nos enfants justement consommer monsieur M, justement, voilà. Et au fur et à mesure, avec le temps, justement, c'est dangereux, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai débranché, monsieur T. Ah là là, la grosse différence. Mes enfants qui venaient jouer avec moi. J'arrive à la maison. Oh, papa. L'autre, elle veut un câlin. L'autre, elle regarde le sac que j'ai ramené. Tu vois, rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Et il y a un peu plus de discussion, même avec la femme avec qui je vis. Tu vois, donc ça, c'est très important. Monsieur T, faut faire attention. C'est l'un parmi les grandes causes, de turbulence dans tous les états. Que ce soit à Mayotte, que ce soit je ne sais pas où. Enlevons ça, il faut supprimer tout ça et tout. Tu vois. Avant, les Maoris, avant, les gens, ils étaient unis. Ils étaient vraiment unis. Même on peut dire aux Comores, les gens, ils étaient unis. Tout le monde était uni. Et maintenant, avec Monsieur T, où les gens vont consommer, parce que là, on est dans le monde de la consommation. Donc, tout ce qu'on va entendre, on va le consommer. La majorité des gens vont le consommer. Donc, voilà, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter par rapport à ça. Mais après, ça reste une idée. Moi, je ne suis qu'un humain, je suis faible, je ne connais pas grand chose non plus. Donc, j'essaie d'apprendre tous les jours. Mais voilà, la vie, c'est un combat, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Tu peux nous présenter ton pote à côté, c'est qui? Kader. Non, là, c'est bon. C'est Kader. Monsieur Kader. Voilà. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kader.